Ravi de vous retrouver ce soir pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Europa Universalis 4 et cette guerre qui promet d'être assez dangereuse contre les Ottomans. J'aimerais bien déjà, pour commencer, me débarrasser de Rome. Ça, ce serait déjà un gros plus. Mais bon, le siège de Rome va être compliqué, évidemment. C'est en général une grosse... un gros fort. Et en effet, là, on est sur du niveau 3. Enfin, on est au maximum, quoi. Mais au bout, il y a évidemment la possibilité d'accomplir cette mission. Alors justement, alors déjà ça, on va arrêter ça avec les Français là. Okay. Ce que je voulais voir, c'est la mission qui consiste à reprendre le contrôle de l'Italie du Nord. La partie continentale de la Vénétie appartient à l'Empire ou est vassale de l'Empereur. Donc en fait, il faudrait absolument que Milan réintroduise ses provinces dans l'Empire. Il y en a combien? Il y en a deux, là. Faudrait qu'ils le fassent. Je peux pas les inviter à le faire. Il faut qu'ils le fassent d'eux-mêmes, je pense. Et je crois que j'ai intérêt à ce qu'on ait de très bonnes relations. Il me semble que c'est ça. Hein. Je suis pas sûr et certain. Mais sinon, il faudra que je fasse la guerre à Milan. Qui me paraît un peu chaud. Est-ce qu'il faudrait que... Est-ce qu'il faut qu'on soit en paix ou... J'avoue que je sais pas. On a quand même de bonnes relations avec Milan. Alors peut-être qu'ils sont en train de légitimer ou... Non, c'est déjà fait. Donc techniquement, je pense qu'ils pourraient déjà le faire. Pourquoi ils le font pas? Mystère. Hein. Ok, donc là, il faudrait mieux qu'on se réunisse. On a quand même une réputation au taquet, je pense. On est élu très largement. On va bientôt pouvoir prendre notre deuxième décision. On est pas mal, honnêtement. Bon, Verden, pour l'instant, on va laisser passer. Ou pas, d'ailleurs. Non, non, on va pas laisser passer. Ah, si, j'ai pas... Ça m'étonnerait que j'ai l'occasion, mais je pense qu'on est pas mal question point. On peut se permettre d'en perdre un. C'est pas trop grave. Bon, je pense que je vais d'ores et déjà faire peut-être un peu plus de troupes. Non, je vais attendre de pouvoir faire l'artillerie. Ça va pas tarder. Et avec tout l'argent qu'on a, on va pouvoir en pondre, excusez-moi du terme, mais on va pouvoir en faire beaucoup. Que ça se finisse là. Faire revenir. Alors, on va prendre le professionnalisme. Rome pillé. Ouais, c'est pour ça en fait qu'on a cet événement. On va prendre les 5 points de professionnalisme. Ça se discute pas, ça. Et on va signer la paix avec Rome. Bon, ça va pas plaire à tout le monde, évidemment, la chute de Rome, mais peu importe. Bon, on n'a rien d'autre à leur demander. Bon, pour l'instant, on prend la province, on va même pas la légitimer, et normalement, il n'y a pas besoin de la légitimer. Ok, j'espère. Et là, on va pouvoir appeler tout le monde. En fait, la guerre qui a avait plus de 30 mois, c'était celle avec Rome. On va appeler en priorité la Castille et tous ses vassaux. Là, on va pas légitimer Rome, hein. C'est hors de question. Je pense qu'on va appeler la Bohème aussi, puisqu'elle est juste à côté, elle va pouvoir nous aider. La Bourgogne, c'est même pas la peine quand je vois le nombre de rebelles qu'ils ont. Absolument impressionnant. Par contre, la Bohème, ouais. La Saxe aussi, qui est déjà en guerre, peut-être. Ouais, c'est... Elle va perdre... En plus, elle est en train de perdre sa guerre. Voilà, alors ça, c'est un petit problème, évidemment. Mais j'espère que ça durera pas trop longtemps. Là, on va faire ça. Ok.
Alors, on va se faire de l'artillerie. Et on ira chasser les Ottomans. On va peut-être annuler celle-là parce que je vois que les Ottomans sont vraiment pas loin. Faudrait pas qu'ils viennent nous enquiquiner. Super, je peux pas libérer tout de suite, hein. J'ai pas réussi ma mission là. Putain, ça me saoule. L'Émilie-Romagne, ouais, c'est toute cette province-là, je pense. Bon, bah c'est merdique, hein. Parce que là, si je dis non, ouf. Ça avait moins 20 d'opinion avec tout le monde, mais ça, c'est pas très grave. On va dire non pour l'instant. On le rendra plus tard, peut-être. Il y aura toujours moyen de le rendre plus tard. Bon, ça, c'est pas. Ça, c'est pas bon non plus. Qui c'est qui a recréé. Ça a été recréé où? En plein milieu de l'Empire. Du coup, ils font partie de l'Empire. Ouais. Ok. Il faut absolument que Naples. Si, que Milan, pardon, intègre tout ça dans la. Dans l'intention de contre. Oui, on va prendre le point de stabilité. La question ne se pose même pas. Un point de stabilité encore, oui, je prends toujours. Toujours partant pour ce qui est de la stabilité. Milan a déclaré la guerre à Venise. Ok, ça on s'en fout. Cette situation m'ennuie parce que j'ai réussi l'objectif, sauf que Milan a pris trop de territoires et veut pas les intégrer à l'Empire. Parce que là, je pense qu'il ne me manque que ça en fait. Les Abruzzes, l'Italie centrale. J'en sais rien. État et possession, c'est pas ça que je veux, c'est ça. Peut-être qu'il me manque les Abruzzes aussi. J'avoue que je sais pas. Moi, pour moi, ça s'arrêtait là, mais. En fait, si je regarde ici. Émile-Romagne. Bah, Émile-Romagne, normalement, c'est là. Ah oui, il y a Florence aussi qui n'a pas intégré ses territoires à l'Empire et là je peux pas faire grand-chose. On peut donner de l'argent. Je sais pas pourquoi ils le font pas, sérieux. Ça va pas me coûter très cher. Ils nous aiment pas trop hein, quand même. Hein. Moi, qu'on puisse dire quand même, c'est que j'ai la cote auprès de mes, comment dire, de mes princes, donc c'est dommage qu'on soit aussi bas. Voilà, j'espère qu'avec notre artillerie, on va pouvoir faire une différence. Je suis pas sûr. Mais bon, normalement, la Castille va arriver et tous ses alliés. Et merde, il y a déjà des pays qui se rendent. Ah là, j'ai perdu. Ouh, ça me plaît pas. Je pense qu'on va les avoir à l'usure quand même. Et donc ça, il va falloir que j'aille m'en occuper. Ils sont 26 000 quand même, mine de rien. Je pense qu'avec tous les alliés qui arrivent, là, on devrait. Déjà, on devrait peut-être gagner cette bataille. Ah non, putain, 45 000 ils étaient. Ça fait beaucoup. Ah, Venise a déjà cédé. Ça a été rapide. Ça n'a pas traîné.
Donc là, on va attaquer. On va peut-être attendre un mois de plus. Ok, donc ça c'est fait. Alors, qu'en est-il de la Castille? Je sais pas trop ce qu'ils font. Pour l'instant, on les voit pas trop. Ah, ce qui m'embête, c'est ça, hein. La Crimée est déjà à 33 grâce à. Grâce surtout aux batailles d'ailleurs. On était très mauvais sur les batailles. Ce qu'il y a, c'est qu'on a beaucoup de petites nations séparées, mais on manque d'un gros bloc. Ouais, c'est pas pratique ça. On peut développer ça maintenant, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait d'ailleurs. Bon, c'est pas capital, mais. Ah. On va prendre l'avantage sur le terrain de notre capitale. Notre capitale, c'est quand même des terres arables. Donc comme il y en a pas mal tout autour de nous, je pense que ça peut être intéressant. Bon, il y a aussi beaucoup de montagnes malheureusement, mais bon. Alors le problème c'est qu'il a réussi à prendre quand même pas mal de forts finalement. Donc pour refaire basculer un peu le score de guerre dans notre sens, on va essayer de reprendre ces forts. Avec le score de siège qu'on a, ça devrait être faisable. On a quand même techniquement, on a quand même une armée impressionnante. Si tout le monde voulait se réunir là, on pourrait arriver à quelque chose d'intéressant. Il faut absolument que je reprenne ces forts rapidement. Le score de guerre ne me plaît pas du tout. Parfait. Ça n'a pas fait beaucoup évoluer le score de guerre, ceci dit. Celui-là, on va le laisser tomber pour l'instant. 21, 14, ça peut être très rapide hein, vu le score de siège. Oh, nos alliés qui nous insultent, on est encore alliés quand même. Oui, on est alliés, on a un mariage et pourtant ils nous insultent. Bon, en fait, après, j'irai bien reprendre l'objectif de la guerre qui est de démontrer sa supériorité. Donc, merde, c'est même pas de faire un siège. Un de corruption, c'est pas grave. Donc, en fait, il va falloir aller prendre la capitale de Crimée, je pense. Ce sera le plus simple. Lunebourg. Ah sérieux, on y est presque là à 50. Ah, Lunebourg, ça commence à être sérieux là. On va libérer Hanovre plus tard. Ok, ça c'est cool. Ah, et la Crimée va souffrir. Hein. Si on arrivait à prendre la capitale de la Crimée, je pense qu'on pourrait faire basculer la guerre. Malheureusement, ils auront toujours leur bonus de démontrer sa supériorité. Ils ont gagné tellement de batailles. Je pense qu'on aura du mal à faire basculer ça. Sauf à s'occuper de cette armée de façon. Ah, ça, c'est un fort de quel niveau? Niveau 3. Ok. Ouais, ça peut être rapide. Ah putain, ils sont tous en train de signer des paix séparées là. Oui, on va faire ce siège. Et on va. Est-ce qu'on a de l'artillerie là? Oui, on va mettre l'artillerie dessus, évidemment. Ouais, c'est bon. Si on prend la capitale, ce qu'il faudrait qu'on reprenne, c'est. Non, ils ont pas la capitale de Gênes, forcément. Ça, c'est pas possible, puisque c'est en Europe.
Honnêtement, on est pas mal dans cette guerre, hein. Le score pour l'instant n'est pas à notre avantage parce que bah, on a un problème d'objectif. Mais si on commence à gagner des batailles, ce qui est pas impossible. Les Ottomans ont l'air. Ah, ils ont plus que 17 000 hommes là. Ah, ça c'est bien. Maintenant, il faudrait qu'on gagne des batailles, quoi. Il y a encore un fort là? Non. Ah, il nous bloque le passage avec. Oh, les emmerdeurs. Moins 38. Sérieux, ça cause des batailles. Je sais pas comment on a pu perdre autant de batailles. C'est juste impensable. On n'a pas été fort sur ce coup-là. On va libérer un peu Gênes de la pression là en leur libérant leur territoire. Et on va rentrer en Europe, il faut qu'on s'occupe là des Ottomans. Milan me pose un vrai problème là, ils sont en train de tout conquérir. Et si on prend Constantinople, on est bien. Et merde. Gênes cède Azov. Et zut alors. Ils ont quand même cédé un territoire. On n'a pas réussi à changer le cours de la guerre. Bon. Alors maintenant, il va falloir surveiller que. Voir si ces deux territoires là rentrent dans l'Empire. Moi, j'y crois pas trop du tout maintenant, j'avoue. En plus, ils sont alliés à la France, comme par hasard, évidemment. Ah, ça m'embête, hein. Je vais échouer dans mon objectif à vraiment peu de choses. On va leur réclamer une province. Non, on l'a déjà fait. On pourrait déjà techniquement leur faire la guerre. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause dans les guerres, là, parce que on a beaucoup trop d'expansion agressive. Ouais, trêve, pourquoi pas. On va pas développer notre capitale maintenant, je crois. On n'a pas vraiment les moyens. Là, on va virer les mercenaires. Il m'en reste plus beaucoup, ceci dit. Et à mon avis, j'en ai d'autres. Je sais pas où, mais. Ah, c'est parce que mon armée est pas encore arrivée. Oui, j'en ai d'autres. Ah, pas tant que ça. Ça va. J'en avais plus tant que ça en fait. Donc on va les mettre à l'entraînement. Je vais maintenir ça au maximum. Améliorer nos relations. Là, l'Empire est en paix. Hein. S'ils voulaient le faire, ils pourraient le faire, je pense. Mais ils veulent sans doute pas le faire. Et ça, ça m'embête. Aucun des deux ne veut le faire. J'ai pas moyen de leur demander. Accorder la grâce royale. Ouais, je pense qu'on peut faire ça pour un point, on peut le faire. Et puis pareil ici. Accorder la grâce royale. Je sais pas. Espérons que ça change quelque chose. J'y crois moyennement. Mais là je suis tellement désespéré que je préfère n'importe quoi, j'avoue. Parce que échouer si près du but. Agitation, ça me plaît. Là, j'ai tout fait pour réussir, quoi. C'est juste que je j'aurais pas dû leur laisser ces territoires. Et du coup, je vais échouer dans un an et demi. Sauf s'ils le font maintenant, ce qui m'étonnerait beaucoup. Pourquoi ils le font pas, quoi? C'est ça que je comprends pas. C'est quand même pas compliqué. Et je peux pas leur demander de le faire, j'ai. Florence a déclaré la guerre à Pise. 13
rêve. Alors, Aix-la-Chapelle. Aix-la-Chapelle, ça m'inquiète. Ça m'intéresse parce que c'est un pays. Ils acceptent que Clèves. Et Clèves, on va pas créer de province. On va pas créer de nouveaux princes. Donc, on va pas. C'est bizarre d'ailleurs, quand même. Non, il n'y a pas de pays. Si, il y a Clèves là. Merde. Clèves ici. Ah, mais parce que Clèves a voyagé en fait. Clèves maintenant est. Je sais même pas trop où ils sont. Ils sont là. Ok, bon, peu importe. Bon. Est-ce que vous allez pas me rentrer ce foutu pays dans mon empire là? Ces foutues provinces dans mon empire, sérieux. Vous m'en voulez à pas accepter. Je me rappelle plus si j'ai fait ma revendication sur Venise. Ah, je l'ai faite déjà. Je suis tellement en vert là, j'avoue. Échouer comme ça, si près. Pff, tout le monde vote pour moi. Tout est bien dans ce let's play, hein. C'est seulement je vais échouer dans cet objectif pour. Je serais tenté de dire pour un détail. Bon, c'est pas tout à fait un détail non plus, mais. On a quand même de bonnes relations avec eux, je vois pas comment je peux améliorer ça. Je vais m'allier avec eux peut-être. Il sera toujours temps de les larguer plus tard. Et eux aussi. Ah, ils ont accepté. Lui, il a accepté. Lui aussi. Par contre, Milan, toujours pas. Pourquoi ils le font pas? On a quand même des super relations, quoi. Alors, c'est bizarre, c'est que la Florence l'a fait immédiatement. Alors, ça, pourquoi pas? Ouais, c'est étrange. Ils sont pas en guerre, mais ils le font pas. Mais j'espère que je perds pas espoir. Il reste un an. 10 mois maintenant exactement. Je me dis que s'ils avaient voulu le faire, ils l'auraient déjà fait, évidemment, mais. Et comment ça se passe là dans la décision? La partie continentale de la Vénétie appartient. Eh bien, il me manque plus que ça. Il me manque plus que ces deux provinces. Ah, c'est fait. Yes! Ça s'est joué à 8 mois près, mais j'ai réussi. Toutes les provinces d'Italie sous notre contrôle, direct ou indirect, vont être intégrées à l'Empire. Aucun pays ne pourra quitter l'Empire à cause de l'événement, le Royaume Fantôme. Yes! Ça, c'est très cool. Il n'y a pas de haut fait sur ce truc, mais je vais de ce pas rompre cette alliance. J'en ai pas besoin, techniquement. D'abord, je suis trop élevé. Ça va pas leur plaire, mais peu importe. Pareil ici. Et je vais m'arrêter sur cet événement plutôt sympathique, je dois dire. Je vais de ce pas libérer Rome. Sinon, c'est pas bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais redonner ce territoire là. État pontificaux. Accorder. Vendre une province. Est-ce qu'il me donnerait Rome? Non. Comment je vais faire? Créer une dépendance. Non. Je vais même pas pouvoir lui rendre sa province. Bon, si, si, je pense que je vais pouvoir. Rétrocéder une province aux États pontificaux, nous y perdons 10 de prestige, mais l'opinion de ce pays à notre égard s'améliorera. Le but n'est pas vraiment de le garder, l'essentiel étant que maintenant il fait partie de l'Empire.
Ouais. Donc ça, c'est parfait. Voilà. Je vous laisse. Je vous donne rendez-vous. J'ai rendez-vous demain. J'ai failli arrêter ce let's play, là, techniquement, puisque j'avais dit que je l'arrêtais si je ne réussissais pas mon objectif. Donc je suis plutôt content. Je vous donne rendez-vous demain. Accessoirement, on pourra prendre cette décision bientôt, là, peut-être. On va essayer de les convaincre. Merci de m'avoir suivi et à demain pour la suite de ce let's play.